Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion, on l'est là. Comme je l'avais dit en début de semaine, on attend savoir à quel moment le président de la République va annoncer la sortie, le début au moins, amorcer la sortie. Les discussions ont commencé pour savoir qu'est-ce qui va ouvrir en premier, comment ça va se passer. Certains y croient, d'autres n'y croient pas, toujours pas. C'est vrai que ça a beaucoup changé depuis un an, une nouvelle chassant l'autre, et on ne savait. Et puis à un moment donné, c'était difficile de prévoir. Mais nous, est-ce que nous, on peut prévoir comment on va sortir de cette crise? C'est dans Causement Réunionné. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir J.C. Est-ce que l'être humain peut prévoir sa sortie propre du Covid? C'est une question assez compliquée que tu me poses, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire, mais je peux te dire que la tendance, elle n'est pas de sortir de quoi que ce soit, c'est de rentrer encore dans quelque chose qui nous donnera un peu de plaisir. Est-ce que la première posture, celle qui va sans doute animer la grande majorité, je dis bien peut-être parce que je n'ai aucune certitude de ce que je viens de dire, c'est de retrouver les postures d'avant, les habitudes d'avant, la façon de vivre d'avant. Est-ce que c'est ça qui va être la première posture? Ben, pour la plupart, oui, parce qu'on en a marre. Tout le monde voudrait lâcher ce masque et puis revenir comme avant. Mais c'était quoi avant? On a un souvenir de ce qu'on a vécu. Et c'est le souvenir qui nous manque. Tout ce qu'on a vécu qui nous manque. Ce qu'on n'a plus qui nous manque. Et ce qui nous manque, en fait, c'est ce qu'il y avait hier. Mais est-ce qu'on peut refaire le maintenant neuf, sans que hier on ramène la référence de ce que nous avions hier dedans? Oui, mais il y a une réalité. Comment, pourquoi? Et c'est là où je vais essayer de trouver si c'est pourquoi ou comment. Pourquoi ou comment l'individu ignore cette année où la Covid a remis en cause sa vie, a remis en cause son regard, ses habitudes, ses bases, oui. Son socle. Oui, oui. Comment ou pourquoi il va ignorer ça? Je crois la remise que, en cause. Oui, parce que c'est simple à comprendre. Parce que si on est humain, on peut observer ça. Si on est un peu ouvert d'esprit, on peut observer qu'est-ce qui se passe. Comment nous avons vécu nos vies? Nos vies ont été basées sur du plaisir. On a créé du plaisir pour que nous puissions être bien. Tu vois, avoir du bon temps, avoir du bien-être. Et tout ce bien-être qu'on a créé, peu importe comment on l'a créé, que ce soit en volant des choses pour avoir plus d'argent, ben c'est aussi du bien-être. Hein, et on aime bien ça. Donc on veut garder ça. Et que ce soit du bien-être en faisant plaisir à la boulangère ou bien à ton enfant, en l'aidant à bien vivre, c'est aussi du bien-être. Donc ce bien-être-là, à mon sens, hein, il n'est pas quelque chose qui te donne la paix. Et on ne connaît pas c'est quoi vivre autrement qu'avec du plaisir. Et le plaisir, il nous en faut tout le temps. On n'en a jamais assez. Donc, tout ce que tu as perdu, il faut que tu repartes avec ça. Oui, mais depuis un an, on lui a quand même bouleversé son schéma de vie. Oui. Le plaisir, il n'en avait pas autant qu'il en avait avant. Il en avait différemment. Il a dû créer d'autres, schémas artificiels pour en avoir. Est-ce que, devant ce contexte-là, avec ce constat qu'il peut faire, est-ce qu'il ne peut pas se dire, c'est peut-être le moment de redéfinir ces moments de bonheur? Certainement. Redéfinir sa vision du bonheur. Certainement, il y a beaucoup de gens qui ont capté ça. Ils ont capté que leur vie qu'il y avait avant était dans un traquenard. En fait, on faisait des choses sans conscience. On le faisait parce que derrière, il y avait quelque chose à gagner. Et quand tout ça nous est enlevé, on s'aperçoit qu'en fait, on n'en avait pas tant besoin. C'est-à-dire tous ces plaisirs, tout ça,
c'est pas ça qui compte dans la vie. La vie, c'est la joie d'être. La joie d'être présent avec tes amis, avec le chant de l'oiseau, avec la mer le bruit de la mer. Être là, dans cette présence-là. Mais il semblerait que depuis qu'on est tout petit, que tout le matraquage de toute une vie qui nous a été léguée par nos ancêtres nous ont dit que la vie, c'est réussir. Il faut gagner des choses, il faut gagner ta vie. Et si tu gagnes pas ta vie, t'es un petit couillon. Oui, mais justement, ce mot « gagner sa vie », sa signification, il y a 40 ans, il y avait 40 ans, la définition était... Il y avait une définition. Oui. 40 ans plus tard, sa définition, elle a évolué. Oui. Qu'est-ce qui nous empêche de regarder cette évolution-là? De voir que gagner sa vie, c'est pas comme il y a 40 ans. Oui, mais bien sûr, mais en attendant que tu gagnes ta vie il y a 40 ans... ou que tu gagnes ta vie maintenant, le concept est le même. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas, que tu voudrais y avoir accès. Et ça, ça ne dépend pas de maintenant ou après ou avant. Même pendant la pyramide d'Égypte, pendant l'esclavage en Égypte, tu vois, il y avait ce même envie de gagner sa vie, de sortir de la condition dans laquelle que tu étais pour avoir une vie de bien-être. Et aujourd'hui, on n'a pas changé grand-chose. On veut toujours ce bonheur éphémère. Et plus on avance dans le temps, ce bonheur éphémère, on nous le prône comme quelque chose de très important. Il faut que tu aies ta voiture, il faut que tu aies ton téléphone, il faut que tu aies ta femme, il faut que tu aies ta belle maison. Et quand nous sommes arrivés à vivre comme ça, pendant des décennies, et qu'on nous a matraqué tout ça dans la tête, et qu'on le matraque aussi à nos enfants. Comment faire pour sortir de ça? Il faut qu'il y ait une catastrophe. Il faut que tu arrives devant un moment dans ta vie où il y a une catastrophe que tu ne peux plus concevoir. Donc, je crois que la catastrophe, tu vois, elle arrive. Parce que le Covid est arrivé. Ouais. Et d'autres choses probablement vont arriver encore. Parce que tant que l'homme n'aura pas compris ça, ben on est pareil. Tu sais, je vais te raconter une histoire. Il y avait quelqu'un qui a trouvé un aigle et il l'a amarré à un pieu. Tu vois? Et l'aigle tournait en rond autour du pieu. Et un jour, pris de remords, il a dit, ben je vais laisser partir l'aigle. Mais tu sais, l'aigle, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a continué à tourner, sans la chaîne. L'humain, nous, les humains, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On continue à faire des choses sans conscience. On a fait des barrières qui sont invisibles. Nos peurs sont invisibles. Ce sont des barrières qu'on a fait. Des barrières sont invisibles, il n'y a pas de barrières. Mais on les a créées. Mais j'entends. Comment leur faire prendre conscience de ces barrières invisibles, de leurs peurs, des schémas qu'ils ont mis en place, des habitudes qu'ils ont mis en place. Pourquoi c'est si dur de se rendre compte qu'on a construit notre prison? Parce que la plus grande peur de l'être humain, c'est de ne pas exister. Et on existe à travers nos plaisirs. J'allais juste ajouter la sensation d'exister. Oui. Parce que ce qu'il recherche, c'est une sensation, oui, d'exister. Ce n'est pas d'exister. Oui. Parce que si on se réfère à certaines postures de la vie, c'est juste avoir des sensations, des émotions, oui, qui donnent la sensation d'exister. Oui. Et cette façon d'exister crée une reconnaissance. Et c'est cette reconnaissance qui est si difficile à lâcher. Parce que dans ce monde, si tu es rien, tu es mis de côté. On ne te regarde même plus. Oui. Tu es un clochard, tu n'es rien. Tu vois? Et tu vois, tous, on veut exister à travers une image que l'on se donne. Juste pour rajouter justement à cette image, c'est d'exister dans le regard de l'autre. C'est pas d'exister. Oui. On n'existe pas dans son regard. Oui. On veut être ce que les autres veulent qu'on soit. Exactement. Et ça, pour nous, là, à ce moment-là, on existe dans le regard des autres. Mais qui existe? C'est l'image.
Oui. C'est tout. Mais ce que tu es n'est pas là, n'est pas présent. Parce que tu es en projection d'une image et tu es caché derrière l'image. Et ce qui est caché derrière l'image n'a pas d'image. Elle est sans image. Si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on parle d'artifice. Je vais prendre des extrêmes. Hein. Quand on dit exister, l'alcool, la drogue, les fêtes, s'étourdir. Ça nous fait exister, oui. Ça donne vraiment l'impression. Oui. Vous dites exister, moi je dis ça donne l'impression oui. vraiment d'exister. D'aller faire la fête tous les samedis soirs, d'aller danser, oui. d'aller boire, d'aller vraiment faire vibrer son corps à travers ça, c'est cette impression d'exister. Oui, mais qu'est-ce qu'on cherche là-dedans, tu vois? Ce qui se passe, c'est que nous sommes habitués à faire ça. Et nous ne pouvons pas vivre sans ça. Tu vois? Et ça, cette impression que nous avons d'exister à travers tout ça, eh ben, nous donne justement cette reconnaissance. Et ça nous fait voir que ça nous fait oublier que nous, l'humain, on n'est rien. Tu vois? Et être rien, c'est une catastrophe. Parce que toute ta vie, on t'a dit, il faut être quelqu'un, il faut réussir ta vie. Et c'est ça notre problème, c'est que nous nous sommes habitués à avoir une apparence, et cette apparence, elle est fausse. Alors, qu'est-ce qui explique qu'on est aussi loin d'être cartésien? De dire, je peux penser, comme Descartes disait, comme René Descartes disait, je pense, donc je suis. Mais ça ne suffit pas. C'est presque, je veux dire, pour beaucoup, ça n'a aucune valeur. Mm-hmm. Parce qu'ils ont besoin d'exister à travers des artifices. Ouais. Mais alors, comment faire pour qu'ils s'en rendent compte? Alors, quand tu vois, quand tu penses, et que toutes ces choses que tu fais pour exister, eh bien, tu vas te rendre compte. Parce que tout ça, c'est faux. Au bout d'un moment, il faut que tu te rendes compte. Tu peux fermer tes yeux et te faire croire, te raconter des histoires que moi, je suis quelqu'un, j'ai mis un petit crocodile et j'existe, et puis tu pavanes, tu vois. Mais tu vois ça, là. Tôt ou tard, il y a quelqu'un dans la relation humaine autour de nous. Elle va te pointer du doigt. Elle va te dire, mais ce que tu es, là, c'est rien. C'est pas vrai. Et ça, c'est ce qu'on se protège de ça. On se protège tous de ça. Parce qu'on a fait une sécurité de la vie. De cet état d'être dans l'apparence, on en a fait une sécurité. On l'a sécurisé. Parce que c'est notre bien-être. Le bien-être de recevoir de la reconnaissance. C'est une sécurité. Et on l'a verrouillé. Et on t'a dit, c'est comme ça. Et dans ta tête, tu ne vois pas autrement. Maintenant, pour te faire voir autrement, peut-être que il faut qu'on en discute. Et je crois que tout se fait dans la discussion, dans le rapport humain, dans l'échange entre tous les êtres humains. Mais est-ce que ce n'est pas d'abord un rapport à soi-même, qu'on doit avoir? Si on se réfère à Nietzsche, à Gandhi, qui disait que la vraie force, c'est ne pas de faire 7 fois le tour de la Terre, de faire une fois le tour de soi. Pourquoi cet exercice est si difficile, voire impossible pour certains? Se regarder, faire regarder qui nous sommes, pourquoi on est comme ça, se poser des questions beaucoup plus profondes. Oui, mais parce que tu vis dans un monde qui n'est pas profond. Donc ce que tu es, c'est le monde, et le monde n'est pas profond. C'est ce que tu es. Maintenant, comme tu as la capacité de vivre ça tous les jours, et ton intelligence te dit si c'est vrai ou c'est pas vrai, eh bien, au bout d'un moment, ça te titille. Tu sais, si tu arrives comme ça aujourd'hui à comprendre toutes ces choses, si tu arrives sur le parcours de l'existence, tu n'es plus un enfant, tu n'es plus embarqué avec toute le programme qu'on t'a donné d'être, tu vois, tu n'es plus embarqué parce que tout simplement, tout au long, tu as vécu ça et tu as compris qu'il y a des choses qui sont fausses. Comme quand tu comprends que l'histoire du Père Noël n'est pas vraie, au bout d'un moment,
Et si tu continues à croire et que tu sais que c'est pas vrai, eh ben tu vas être un peu malade. C'est la, j'allais dire, l'analogie est peut-être brutale, mais j'ai l'impression d'entendre quelqu'un me parler de Meursault. De Meursault, l'étranger de Camus. On a l'impression que lui, il est absent. Il vit à côté de son ombre, ou que c'est son ombre qui vit à côté de lui. Et tout ce qui se passe, il est absent. Oui. L'être humain est si absent de ça, de ce qu'il est vraiment. Oui, parce qu'il n'est pas témoin. Il n'est pas conscient que autour de lui se passent des choses. Il ne prend pas conscience. Et je crois que quand tu prends conscience, tu deviens témoin de la scène qui se joue. Et quand tu prends conscience de cette scène qui est la tienne, ta vie, tu t'assois sur un siège, dans un cinéma, tu regardes le film. Mais le film de ta vie, tu ne vas pas jouer dedans. Tu es témoin. Et tu vois ça, arriver à être témoin de ce qui se passe, c'est la porte ouverte à l'éveil. Parce que tu es intelligent et tu vois ce qui se passe. Et quand tu vois ce qui se passe, tu ne concilies plus le mensonge. Parce que le mensonge qui est vu, eh ben, il y a la vérité qui est tout de suite derrière. Tu le vois. Tu connais la vérité. Donc, moi, je dis que tant que tu n'as pas élucidé tes problèmes, tant que tu crois à des mensonges, tant que tu es basé sur tout ce qui est éphémère, ben pour moi, à mon sens, il n'y a pas de possibilité d'éveil. Il y a juste la vie qu'on vit là tous les jours. Les meurtres, les guerres, les gens qui meurent de faim, tout ça. Tout ça, c'est ça. Et c'est là, à chaque fois, je me pose la question, est-ce qu'il faut vraiment qu'on mette en place des extrêmes? Quand je regarde le parcours de Bouddha, de Siddhartha, qui va jeûner pendant des années sous son arbre, avant d'atteindre son éveil. Oui. Et est-ce qu'il faut vraiment passer par... Est-ce qu'on n'est pas capable aujourd'hui de mettre en place des schémas qui nous amènent justement vers, peut-être pas l'éveil de Bouddha, mais ne serait-ce que vers une interrogation, vers une réflexion. Est-ce que dans ce monde qu'on dit civilisé, où on se vante d'être dans un monde moderne, qu'est-ce qui fait que l'homme n'arrive pas à utiliser son cerveau? Tu vois, tu parles du Bouddha. Ça fait 5000 ans. Hein. Ouais. Moi, je connais l'histoire, mais c'est une histoire qu'on nous a racontée. Et toute histoire qui se raconte, elle se galvaude au fil du temps. Tout tu fait. Vois, que assis sous son arbre, il est tout d'un coup, il a eu l'élimination, tu sais. Moi, je doute de tout ça. Je ne prends pas en compte toutes ces histoires. D'accord. Moi, je veux vivre ça. Je veux vivre quelque chose de tous les jours. Et moi, je me suis aperçu que quand tu restes avec les faits, que tu ne spécules pas de quelque chose qui viendra, qui arrivera, d'un nirvana que j'aimerais avoir, parce que quand tu es comme ça, ben, tu es occupé, tu n'es pas en paix. Ta tête est toujours en train de chercher quelque chose. Et pour être en paix, ben, il faut qu'elle s'arrête, ta tête. Ouais. Donc, ce que tu cherches, peut-être, c'est le problème. Tout ce que tu veux avoir, peut-être que c'est ça ton problème. Il n'y a rien à trouver. Parce que quand tu poursuis ton désir, ben, tu vas le poursuivre tout le temps. Et tu vas arriver devant la tombe et tu vas regarder derrière. Tu dis, mais oh, c'est quoi la vie donc? Tu vois? Et je crois que chacun d'entre nous, on doit se réaliser dans le fait qu'il n'y a rien à trouver. Rien. Il n'y a rien à trouver à travers nos désirs. Nos désirs, c'est du bluff. C'est l'illusion. C'est un idéal qu'on se fabrique et qu'on poursuit derrière. Et tant qu'on fait ça, eh bien, l'esprit n'est pas en paix. C'est seulement quand l'esprit est en paix, qu'il ne cherche plus rien, que tout arrive. Et c'est là que tu as la paix. C'est là que tu es émerveillé par la vie, parce que tu n'es plus occupé. Tu vois? Et nous avons ce problème dans ce monde. C'est que nous sommes tous occupés à faire quelque chose, tu sais, pour trouver le bonheur, trouver un égaiement de nos vies monotones qui se répètent tout le temps, de la même manière. Donc on cherche l'égaiement, on cherche ça partout.
dans la religion, dans le club de tennis, dans l'association ceci. On cherche tous un égaiement. Et ce fait de chercher l'égaiement, c'est l'esprit qui travaille. Et un esprit qui travaille, elle est prête à faire tout pour créer le chaos. Seul l'esprit en paix ne crée pas de chaos. Et à ce niveau-là, il y avait avoir sans doute un gros travail à faire pour chaque individu, parce qu'après un an de Covid déjà, il va falloir déjà réparer. Il y a des choses quand même qu'il va falloir mettre en place, parce que je pense que nous aurons tous besoin de nous retrouver déjà. Oui. Déjà, se retrouver, c'est déjà une belle chose. Se retrouver, mais avec un regard intérieur, tu vois. Se voir tel que l'on est et sans renier ce qu'on voit, tu vois. Accepter ce qui se passe. Et quand tu acceptes, ben, tu vois. Mais si tu acceptes pas, tu vois rien. Merci Guy Roger. C'est vraiment une leçon de vie, parce que c'est vrai que accepter la situation, accepter sa vie, ce n'est pas quelque chose de simple. Ouais. Merci Guy Roger. On va marquer une pause. On se retrouve juste après. Syndical, en fait, est nommé par la préfecture auprès de la DIECT pour sur une liste départementale où les salariés peuvent consulter et faire appel à ces défenseurs syndicaux pour venir en aide ou se renseigner sur les problèmes dans les entreprises, ouais, et où aller défendre les dossiers auprès d'eux. Quel est votre champ d'intervention? Alors, le champ d'intervention est assez large, hein. Ça part de conseil, hein, avant toute action. Un salarié rencontre une difficulté dans son entreprise, donc peut nous contacter pour avoir des informations et être conseillé. Ensuite, si les choses sont précises pour ce salarié dans son entreprise, on peut aller les conseiller également, mais commencer les procédures. Peut-être recommander les idées, les orienter, etc. sur les procédures. Et ensuite aussi les accompagner dans les entreprises lors des entretiens préalables vers une sanction ou autre, ou licenciement ou autre. Et par la suite, si les choses perdurent, il y a licenciement ou autre, et le salarié souhaite présenter un dossier au prud'homme, contester son licenciement ou toute autre sanction. Donc on peut les aider à monter le dossier et les accompagner au prud'homme. Généralement, quels sont les griefs à l'encontre du salarié qui sont généralement posés et que vous devez préparer le dossier? En fait, beaucoup de dossiers pour licenciement. Et parmi ces dossiers, ben, il y a aussi des salariés qui font des fautes, qui ne sont pas acceptés par le patron, qui sont sanctionnables, mais et le patron ne respecte pas toutes les procédures et ne donne pas tous les droits de licenciement aux salariés. Donc là, on engage une procédure pour réclamer les droits. Après, il y a des fautes qui ne sont pas justifiées, qui méritent de déposer un dossier au prud'homme pour annuler ou engager une procédure pour avoir les dommages et intérêts et réclamer des droits de licenciement pour les salariés qui n'ont pas eu aucune indemnité lors du départ. Comment se fait la relation patron-salarié dans les cas conflictuels de ce genre de dossier? Alors, ça se passe, je dirais, très mal lorsqu'il n'y a pas un délégué syndical ou un président du personnel ou un défenseur syndical. On revient là-dessus. Alors, justement, comment ça se passe? Alors, donc, ça se passe assez mal lorsque le salarié n'est pas accompagné d'un représentant du personnel ou d'un délégué syndical ou d'un défenseur syndical.
puisqu'il n'est pas concilié, il ne connaît pas ses droits. Et donc, souvent, des fois, ça passe très mal. Donc, le patron, lui, il subit, en fait, l'entretien. Et lorsqu'il y a un représentant, un défenseur syndical, ben, il connaît ses droits, il a une stratégie face au patron. Donc, on essaie que l'entretien se passe mieux et que ben, s'il y a des choses qu'on peut éviter, notamment le licenciement, on fait tout en sorte pour qu'on ait des pistes pour éviter le licenciement. Dans les cas que vous avez vus, combien de fois le patron a provoqué la situation et combien de fois le salarié a pu commettre volontairement ou involontairement les erreurs dont il est accusé? Alors, on va dire 50%. 50% des entretiens, des problèmes qu'il y a, mais on va dire le salarié a commis des fautes, mais après, on va dire par ignorance ou par autre chose, mais il a commis des fautes. Et parfois, la sanction est disproportionnée par rapport à la faute. Généralement, comment ce genre d'affaires se termine? Qui a gain de cause? On va dire, il y a des choses lors de l'entretien, ça dépend de l'état d'esprit du patron et de la relation que l'employé a dans l'entreprise et le patron. Donc ça, c'est tout un vécu dans l'entreprise qui est dans la balance et qui fait que ben, le patron peut ne pas sanctionner, donner une deuxième chance au salarié. Et lorsqu'il y a des bons rapports où le patron est indulgent. Donc, lorsque ben, ça se passe mal au niveau communication, ben, ça va, il y a une sanction. Quelle est la meilleure façon de régler ce genre de problème entre patron d'un côté, salarié de l'autre? La discussion. Et j'ai terminé justement sur, lors des entretiens préalables accompagnés des salariés, sur des dossiers qu'on, même juste avant l'entrevue, hein, ne pas avoir de piste ni de stratégie, mais lors de la discussion, parce qu'on n'a pas forcément toutes les informations lorsqu'on y va, c'est d'avoir le maximum d'informations. Il y a des petits détails qui nous échappent. Et la stratégie, on n'a pas forcément la stratégie avant d'arriver à l'entretien. Et lors de l'entretien, il y a des pistes comme ça qu'on arrive à trouver et qui fait qu'on évite la sanction et qu'on trouve une porte de sortie au conflit entre salariés et patrons. Ces dernières années, ces conflits ont tendance à diminuer ou à augmenter? Pourquoi? Beaucoup augmenté, puisque en fait, je reçois beaucoup d'appels, de téléphones, pour être conseillé, pour les aider à comprendre la situation et avoir une stratégie dans la suite de leur dossier. Et on constate bien que alors, ici au syndicat de l'Est, le bon nombre de dossiers qu'il y a chaque année à monter au prud'homme. Pour les salariés qui se retrouvent dans cette situation, qui sont seuls, qui sont isolés, qui n'ont personne, comment ils peuvent vous contacter? Comment ils peuvent venir vers vous? Déjà, avant d'arriver dans une situation critique, il n'est pas défendu de se renseigner auprès d'un syndicat, soit auprès dans son entreprise ou un autre syndicat, pour c'est des situations qui vous intriguent et qui vous pensez que ça vous gêne et qui vous met mal à l'aise dans l'entreprise. Donc autant se prévenir que guérir, donc se renseigner déjà et ne pas entrer dans une procédure ou
dans une procédure qui va vous faire perdre, autant être accompagné, et bien conseillé pour aborder les problèmes que vous rencontrez. Et donc, pour contacter un délégué syndical, ben, vous venez, moi je suis à la CGT, hein, donc vous pouvez contacter soit la liste des délégués syndicaux de la TIEC, je pense que sur Internet, on a aussi possibilité d'avoir cette liste-là et les noms et les contacts. Tout ça, vous venez directement au syndicat CGT Est ou Saint-Denis. Voilà.